Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois. J'ai mis un peu en place cette zone-là pour préparer les enclos. En fait, comme ça, je vais pouvoir avancer mes enclos et ça évitera de faire comme dans l'épisode d'avant où il se passait pas grand-chose parce qu'on réfléchissait surtout à comment on allait mettre en place les choses. Donc en fait, maintenant. Là, je vais faire un enclos pour les éléphants, ici. Là, j'aurai un autre enclos de je sais pas trop quoi encore, on verra. Avec sûrement un accès par ici. Avec ici une zone de soigneur. Voilà. Hop, là on a un traitement de l'eau parce qu'on a de l'eau ici. Là, on aura un enclos pour les hippopotames. Avec... Voilà ce que je voulais, donc en fait un petit truc qui descend en dessous et les gens pourront voir les hippos dans l'eau ici, à cet endroit-là, hein, ce sera stylé. Donc voilà, on a fait notre circuit pour notre petit bateau là, et ici au centre on pourra avoir 4 enclos, avec sûrement un chemin aussi au milieu là qui viendra à une zone centrale pour les soigneurs qui s'occuperont de ces 4 enclos ici. Et voilà. Ici, on aura l'espace de mettre un autre enclos. Après, sur les côtés, là, on verra un peu plus tard. Là, j'ai mis des escaliers et un chemin pour monter à mon truc des girafes, là. Faudra essayer de décorer un peu ça comme il faut. Là, on pourra mettre des boutiques et des magasins de bouffe, là, sûrement, parce que dans cette zone-là, là, on a très peu de... Enfin, on n'a pas de service. À part... non, on n'a aucun service en fait ici. Là, on a des restos là-bas. On en a, si je me souviens bien, ici. Enfin, on a notre zone ici. Et c'est tout en fait. Donc ce serait bien d'en avoir une par là. Par ici, là. Ici, ce serait pas mal en fait là. On aura un enclos un peu plus petit là. Ouais, il sera un peu petit là. Ouais, non, on fera là. Tant pis, il sera un peu proche de ça, mais c'est pas grave. C'est parfois ça, on aura un parcours ici, un parcours là. Là, on fera sûrement un truc qui fait hop, un grand tour comme ça. Avec pareil, des enclos tout le tour là, je pense. On verra. Mais du coup, là, ce sera sûrement toute notre zone africaine. Hein, parce qu'à mon avis, les animaux, là, avec 4 enclos ici, peut-être qu'on en fera que 2, hein, remarquez. Peut-être qu'on fera un enclos ici, un enclos là. Ça fera des grands enclos, mais bon. Pourquoi pas. Et ici, on pourrait commencer. Du coup, une autre zone après. On verra. J'aurais bien voulu faire un enclos là quand même avec des animaux. Avec ici, là, les autruches, les trois types d'animaux comme ça. Et après, hop, un chemin qui va donner vers une autre zone. On verra, peut-être. Là, les singes, j'en ai au moins un, deux, trois. Il me reste les mandrilles, les gorilles. Donc, je pourrais peut-être mettre les gorilles par là et en mettre un autre par ici, là. Ce serait pas mal. Il me fera du coup une autre zone de soigneur, certainement par là. Ouais, là on aura un espèce de gros enclos avec pas mal d'animaux, de la même manière que là. Et ici, une autre zone de soigneur. Voilà. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer cette zone ici-là. On va s'occuper de cet endroit-là. Donc là déjà, il faudra cacher cette barrière par des rochers, j'aimerais bien. Ce sera un peu long à faire ça, donc j'y ferai un peu hors vidéo. Pareil ici, paf, tout le long, là je ferai une espèce de barrière de rochers comme j'ai fait un peu partout. J'aime bien avec les rochers, ça fait joli je trouve. Ensuite, ici on mettra un truc d'animation là comme ça, pour que ça fasse de l'animation. D'ailleurs, il faut que je regarde comment on fait pour augmenter cette note d'environnement. Pour ce truc là, je pense qu'il faut mettre des décorations, on verra. On verra. Parce que les trucs de naturel, ça a pas l'air de changer grand chose. Voilà, donc là ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre l'enclos des éléphants. Je pense. On va tracer notre enclos. Donc on va mettre une clôture. Alors les éléphants, j'en ai acheté, je crois, de mémoire. Voilà, j'en ai acheté. Ah tiens, lui, je peux le vendre, non? Ou je le relâche dans la nature, on s'en fout pour le prix que ça me rapporte. Hein. Je crois que ça se vend pas bien les hippotrags. Hein.
Ouais. On s'en fout, c'est pas eux qui me rapportent de l'argent. Ok, donc là, clôture, les éléphants, c'est ça que je voulais voir, pardon. Alors, les éléphants. Si je regarde dans la zoopédie. Normalement, c'est marqué le type de clôture dont j'ai besoin. Niveau 4 et de 2 mètres au moins. Niveau 4 de 2 mètres. Ah, il va lui falloir un peu d'eau à l'éléphant. Alors, une clôture de niveau 4. Niveau de résistance 6. Le béton. C'est moche comme tout ça, non? Les briques, c'est niveau 5. C'est déjà plus joli. Ça, c'est pas très beau, je trouve. Le gabion. Le vert épais, c'est un peu plus joli, quoi, déjà. Entre les deux, là, on n'a peut-être pas besoin de vert ou de quoi que ce soit. Hein. On va mettre des briques, déjà, en premier. D'au moins 2 mètres, un peu plus même, non? Ce serait pas mal, un peu plus de 2 mètres. J'aurais bien mis 3 mètres, même. Alors, oh là, 2 mètres, c'est pas bien. Et j'avais tracé un peu au sol pour me donner une idée un peu de la forme et de la taille des emplacements que je voulais faire. Ouais, bon, là, il n'y a peut-être pas besoin que. Ouais, si ça. Ici, ils ont besoin de taille, ils auront de la taille au moins. Hop, et là, clac. Ah, par contre, il va falloir que je remplace ça en. Parce que ça, c'est pas niveau 3. C'est niveau 3, ça, oui. Donc là, on va prendre tout ça. Non. On va prendre ça. Et on va tout remplacer en briques. Voilà, en attendant d'y remplacer, en attendant de mieux y décorer. Alors là, maintenant, on va pouvoir ici partir de là avec de la clôture invisible. Ah, par contre, clôture invisible, je vais être obligé d'avoir tout de suite, mais. Hop. Je sais pas ce que ça veut dire quand c'est bleu. Quand c'est bleu, c'est peut-être que c'est bon. Si je déplace lui par là-bas, est-ce que je peux? Ouais. Sais pas ce que ça veut dire quand c'est bleu. Ça veut dire que c'est bon, qu'ils peuvent pas traverser. J'en ai pas la moindre idée. Je pense que oui, du coup. Ouais, voilà, c'est normal, hein. Bon, de toute façon, on mettra des murs en pierre après, on verra. On verra comment on fait. Là, on va mettre de la pierre, hein, pour faire joli. Ok. Donc là, on a notre premier enclos. Ensuite, peut-être qu'on va designer ça aussi. Là, je vais essayer de faire un espèce de petit bâtiment en pierre avec. Vous voyez, j'ai trouvé ces murs en pierre jolis là, avec un intérieur un peu décoré. J'ai vu de quoi m'inspirer sur internet. Donc j'ai trouvé l'inspiration. Maintenant, il me reste à le faire.
J'ai mis voilà, de l'eau avec des trucs, des parois en verre là pour me donner une idée. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être pas vous passer 2 heures à mettre des pierres. Hein. Peut-être que pour le moment. Ah oui, attendez, alors déjà ce qu'il faut, c'est ici. Donc si, il va quand même falloir que je. Là, que je fasse mon truc. Alors là, je veux du truc de 5 mètres. 6 mètres. J'ai mis combien de mètres là? Ça fait une allée large, là, dis donc. J'arrive pas à me rendre compte si c'est large ou pas, si ça va faire un gros bâtiment ou pas. Parce que je ne sais pas si je fais juste ça. Si je fais juste arriver ça comme ça dedans là. Paf, vous voyez, quelque chose comme ça. Sachant qu'il va falloir que j'ai mon mur là. Ça arrangera. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Allez, hop. Clac. Et là, on va prendre des allées de soigneurs. Là, du coup, on pourra faire un petit enclos sympathique là. Qui vient jusque là, là. Il va être grand celui-là d'enclos aussi. Ouais, remarque pas tant que ça. Ouais, il va être un peu grand, mais pas tant que ça. Donc là, on va faire quelque chose qui fait genre comme ça. Hop. On verra après ce que ça donne. Voilà, donc là on a accès à ça. Ok. Il va falloir que je mette une entrée d'habitat. Clôture. Entrée en bois. C'est quoi la différence? C'est pareil en fait. D'accord. Alors, notre entrée d'habitat comme ça c'est nickel, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Ah oui, j'ai fait ça aussi là. J'ai fait des espèces de petites barrières là avec des décos. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Pour vraiment faire vraiment des barrières quoi, pour pas que les gens ils tombent dans l'eau, tout ça quoi, vous voyez. Ça, je peux faire hop. Zoom. Hop. On mettra des petites plantes. Et ça c'est tout simple, j'ai pris deux éléments de décor, des petits trucs, des petites planches en bois. Je trouve que ça fait une jolie barrière, bien dans le thème. Bien dans le thème. Ok, mes lions ils ont fait plein de petits aussi. Je crois qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Je crois qu'on avait vu. Les singes aussi. Les bonobos ils commencent à avoir des petits. Ah par contre ils sont pas contents les bonobos. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, on va aller peut-être aller voir ça, remarque. Parce qu'il faut qu'on ait des animaux heureux quand même. Hein. Ça se passe bien quand même. Hein, dame. Ouais. Tiens, il y a elle qui est pas contente. C'est pas pourquoi. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les varirous. Qu'est-ce qui se passe lui? Je sais pas. En transit, je sais pas pourquoi. Ok. Ah bah déjà, ils ont déjà fait des petits. Tiens, là, j'ai encore des serpents à vendre. Fantastique. Alors, les bonobos, on a dit. Qu'est-ce qu'ils ont, les bonobos? Pourquoi ils sont pas contents, les bonobos? Social. Social. Sociabilité de l'animal est mauvaise. Population 3. Ah oui, ils en veulent un peu plus, je suppose. Ça, c'est bon. Terrain. Bah, pourquoi ils ne peuvent pas monter là? Ils ont plein de trucs pour monter.
Comment ça se fait que ça y voit pas? Bah. Ah, je comprends pas. Pourquoi ils peuvent plus monter là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est bloqué lui, non? Il est bloqué dans le terrain là, non? Non, zone d'escalade empruntable. Alors, attendez. Habitat. Pourquoi ils peuvent pas escalader là? Ça marchait bien ça avant. Qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Bah. Pourquoi ça bug comme ça? La dernière fois, on avait bien vu qu'il pouvait escalader de partout là. Abri. Habitat. Zone traversable. Pourquoi ils peuvent plus escalader là? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils peuvent plus escalader là. Par où ils pouvaient monter là? Ils pouvaient monter pas. Est-ce que c'est ça qui. Oula. Oula, j'ai un gros ralentissement là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça a lagué un bon coup là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas dû à tout ça là? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bougé là? J'ai rien bougé pourtant si. Est-ce que j'ai bougé quelque chose? Non, je crois pas avoir déplacé quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai bougé la dernière fois? Ah si, j'ai enlevé les pierres, là il y avait les pierres, mais c'est pas les pierres qui devaient les gêner. Ça c'est pas très haut ça pourtant. Si je mets X comme ça, que je le descends ça. C'est mieux comme ça? Attendez, hop. Voilà, ça lag beaucoup ce soir, dis donc. Qu'est-ce qu'il a mon PC là? Ça, on va y pousser par là, la plante là. Là, l'arbre, je vois pas en quoi il gênerait. Sinon, on va prendre un truc comme ça qu'on va mettre là. Ah mince. Normalement, ces trucs-là, ils peuvent les. Escalader ça. Là, déjà ça devrait les aider un peu. Je comprends pas, là, il y avait bien, ça marchait bien avant. Pourquoi ils arrivent plus à monter maintenant? Ah, ça y est. Bah voilà, ça avait bugué en fait. Ouais, ça avait pas recalculé le truc. Ou par contre là ils peuvent sauter. Point d'évasion en sautant. Oulah. Ouais, c'est cette grosse pierre là qui nous embête. Cette grosse pierre là. Par contre, elle fait jolie cette pierre, j'aimerais pas, j'ai pas envie de l'enlever. On va enlever cette racine là, peut-être. On va déplacer la pierre. Comme ça. Allez, fais voir. Est-ce qu'il peut toujours sauter là? Non. Là, il y a un point d'escalade d'évasion. Ça a recalculé, ouais, ça a recalculé.
Oh là là. Ah ouais, ils arrivent à passer à travers les murs, quoi. C'est un peu buggé les trucs quand même. Donc attendez. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Un animal s'est échappé. Voilà. Ah oui, il saute. Alors lui, il a sauté par là. Bon, attends, toi. On va te capturer. Voilà. Ils peuvent encore sauter là. Bon, on va mettre un truc comme ça. Hein. On va enlever cette vue dégueulasse là. Voilà, on va prendre ça là. On va pas s'embêter. On va prendre ça là. On va faire CTRL D. Et on va la rajouter par là, là, comme ça. Ok. Ah, j'en ai encore un qui s'est échappé. Au même endroit, hein. Bon, je sais pas si on arrive à le récupérer d'ici. Ok. Bon, j'allais venir le chercher là, les soigneurs. Recherche vétérinaire terminée. Tiens, ça faut que j'avance parce que. Vu le nombre qu'il y en a pour les bonobos là, on n'est pas prêt d'y arriver au bout. Ok, donc on a dit. Il en reste encore un. Oh, le froid, je leur ai pas mis de trucs pour les bonobos, je crois. Attendez, stop. Ah, c'est bon là, ils peuvent plus s'échapper là, ici, en marchant. C'est la pierre là, sûrement, qui était. X. Juste la décaler un peu plus par là, je pense que ça devrait suffire en fait. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Oh, il y a un point d'évasion là. Comment ça? Point d'évasion en escaladant. Comment ça? Tu escalades quoi là? Ah, ils peuvent attraper ça, tu crois? Non. C'est derrière le mur. Bon, on verra. Hein. On va voir. Oh la neige, quelle horreur. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas escalader ce truc quand même. Non. Non, c'est bon. Ah si, j'avais dû mettre les trucs chauffants. Faut que j'en rajoute un par là. Hop. Habitat. Non, c'est pas dans Habitat. Si, je sais plus où c'est, service. Non, c'est dans Habitat. Ah oui, c'est là. Chauffage. Hop. Voilà. Voilà. Combat dangereux. Ah, hippotrague encore, je parie. Pourquoi ils sont dans une caisse, elle? Sortir l'animal de la caisse. Voilà. Et le bonobo, là, ils vont jamais aller le chercher. Si, ça y est, il est plus là. Bon, là, on s'arrangera pour faire un truc un peu plus joli, là. Ok. Donc par contre, on va attendre que ce soit mieux le temps pour pouvoir avancer parce que là c'est dégueulasse. Les varirous, ok. Bon, et ben on va retourner. Ah, c'est bon, il y a une lumière bleue là. Oh, c'est joli ça. Oh, c'est joli ce truc des girafes. Ok. Ok. Plusieurs animaux ont bien été faibles. Oui, je sais. Ah oui, le. Il y a beaucoup trop de choses à faire en même temps. Lui, il est pas content. Non, il n'y a pas d'autre mâle, donc c'est bon. Oh là là. Oui, attendez. Alors déjà, on va mettre pause. Les hippotragues. Ah oui, il y en a deux. C'est quoi que j'ai de sélectionné là?
Voilà, c'est bon, j'ai plus rien de sectionné. Hippotrag, on a notre mâle alpha qui est là. Donc on va enlever les deux autres mâles. On va les envoyer au centre d'échange. Allez, hop. Voilà. Ok. Ensuite. Il y en a qui doivent avoir froid. Genre les varirous là, du coup. Bon, ça va peut-être s'arrêter de neiger là, voilà. Très bien. Ça s'est arrêté de neiger. C'est quoi ça? Ah oui, un buffle qu'il fallait que j'enlève aussi. Ouais. Qui est à vendre? Que je vais vendre du coup. 3000 peut-être, ce serait bien. Ce serait bien. Donc, maintenant. On reprend. Là, on va attendre que le soleil soit un peu levé, on va mettre une pause. Ce sera mieux la pause pour se taper de la déco. Ok. Donc les éléphants. Là, on a mis l'accès ici. Peut-être qu'il faudrait faire d'abord la zone des soigneurs, non? Je pense. Ce serait pas mal. Alors, on va mettre pause et on va aller chercher dans nos plans. Je crois que j'en ai plusieurs des zones de soigneurs type africaines. Ah, c'est pas mal ça. Alors, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un truc vétérinaire, une salle de pause. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça. Peut-être qu'on pourra. Alors, de quoi je vais avoir besoin là, en fait? Mais c'est pas mal ce bâtiment. Ouais, ça me plaît bien, moi. Quelque chose comme ça là, ici, là. Ce serait pas mal. Clac. Ouais. Ça me plairait bien, quelque chose comme ça là. Paf. Ouais, faut pas laisser trop les murs à nu là. Vous voyez, ils ont fait une espèce de fondation, ça fait joli, je trouve. Attendez, si on met ça, tout quelque chose comme ça par ici, là. Comme ça. Ça en fait hein, directement parce qu'on va avoir notre pente directe là. On va voir. Alors je vais mettre ça comme ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une cabane des soigneurs. Et ça, c'est une salle de pause. En fait, ouais, c'est ce qu'on a besoin. Des soigneurs. S'il va me falloir un truc de veto quand même, parce que le veto il va s'occuper de cette zone là. Là, l'attaque, et les hippos aussi, sûrement. Là, une zone ici là. On va faire une zone ici avec trois enclos. 1, 2, 3 enclos. Peut-être un quatrième ici après. Sûrement d'ailleurs, on verra. Donc on aura 4 enclos ici. Donc il va nous falloir une cabane de veto aussi. Un truc de veto. Mais là peut-être que je peux mettre un truc en dessous, non? Pourquoi ils ont mis une roue avec de l'eau là? C'est moche. Ça fait bizarre cette roue là. Ouais, ça me plaît pas moi. Je trouve que c'est pas beau cette roue là. J'aurais bien laissé juste ça comme ça, là, vous voyez. Non, pas ça, mais ça. Voilà. Par là, hop, tac. Voilà. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Oh, des fois, les vues, ça fait un peu des trucs bizarres. Oh, je suis à l'intérieur. Ah, stylé, on peut rentrer dedans. Ok. Voilà, comme ça ils pourront même observer les trucs des animaux. Il y a des fenêtres là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fenêtre de ce côté. Alors. Donc là on a la salle de pause et la cabane des soigneurs. Alors là on va prendre ça.
On a quitté ce groupe déjà. Est-ce qu'on arrive à ici? Ah, c'est moins large que ça. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Trop large. 4 mètres. 4 mètres, c'est bien. Mais il faut enlever ça. Voilà. Faut se mettre par là. Non, on est trop encore par là. Ok, vraiment. Donc, ici. Paf. Bon, allez, ça ira bien. Ça ira très bien. Je peux le. Si je le déplace comme ça marche. Hop, allez, très bien. C'est pas ouf, mais. Ouais, je peux peut-être le pivoter pour qu'il soit plus en face. Voilà. Ah, nickel, comme ça. Comme ça. Parfait. Parfait. Parfaitement parfait. Ok, donc on a notre truc des soigneurs. Donc il va me falloir en plus. Alors là, c'est une grande cabane des soigneurs en plus. Hein. On avait peut-être pas besoin d'une grande cabane des soigneurs. Hein. Je sais pas combien on va en avoir. Ça sert à quoi ça d'ailleurs? On peut mettre 6 soigneurs. Est-ce qu'on a besoin de 6 soigneurs là? Ouais, 6, ouais, 6, ouais, ouais, 6. Mais là-bas, j'en ai pas 6 des cabanes de soigneurs. Là-bas, je peux mettre qu'un soigneur dedans. Et ça sert à quoi la cabane des soigneurs en fait? À quoi ça sert la cabane des soigneurs? Qu'est-ce qu'ils vont y faire dedans? Zoo personnel service personnel. Alors, cabane de soigneur, demande faible. Ce service est rarement utilisé par les employés. Bah ouais, parce que je sais pas ce qu'ils y font dedans la cabane des soigneurs en même temps. Hein? J'ai jamais utilisé moi la cabane des soigneurs. Parce que j'ai peut-être pas besoin d'avoir une grande cabane des soigneurs. À quoi ça sert la cabane des soigneurs? Je n'en ai pas la moindre idée, vous voyez. Donc c'est peut-être même pas utile qu'on ait une cabane des soigneurs. Hein? On va redesigner ce machin différemment, je crois. On va le modifier. Là, on va péter ce mur là. Alors, déjà, je pense qu'on va enlever cette cabane des soigneurs. Parce qu'on n'en a pas besoin. Service. Cabinet vétérinaire. Ah ouais, par contre, le vétérinaire, il a besoin d'un truc comme ça, quoi, lui aussi. Et ben, on va remplacer le cabane des soigneurs. Paf. Par un cabinet vétérinaire. Hop. Si vous l'entrez, c'est là. Hop. Voilà. Voilà. C'est mieux. Un cabinet vétérinaire. Donc là, ce n'est pas ça.
C'est un cabinet vétérinaire. Donc là, décoration, construction, enseigne. Hop. Faut trouver l'enseigne du cabinet vétérinaire. Service. Ça. Hop, on l'aligne sur la surface et on le met là. Clac. Parfait. Ok, donc là on a notre cabinet vétérinaire, notre salle de pause. Donc là c'est bon. Et ensuite, on va pouvoir faire déjà première chose aussi, c'est définir la zone ici. Comment on va l'appeler cette zone? Je sais pas. Je ne sais pas. Combien j'ai mis de soigneurs là-bas? Personnel. J'ai pas tant que ça des soigneurs. Hein. Hop. On va remonter de niveau un peu. Parce que plus ils montent de niveau, plus ils sont efficaces. Hein. Pareil, eux. Pouf. 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 J'ai de la thune, on envoie en formation. Tiens, les 4 là. Hop, les 4 ils vont en formation. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont travailler, mais. Voilà. Centre, j'ai que 4 soigneurs pour la zone centre. J'ai un soigneur par zone en fait. Par enclos, non, c'est pas ça. Là j'en ai mis 2. 3, 4, je crois que c'est ça. Hein. Un soigneur par enclos. Donc on va définir une zone de travail. Comment on fait? Créer une nouvelle zone de travail. On va mettre ça dedans, ça dedans. Ah oui, il y a un panneau solaire là. Non, ce sera le. Il va être dans l'autre zone là-bas, le panneau solaire. Ok. Donc là, jusque-là, ok, tout va bien. Oui. Zone de travail 4, donc on va l'appeler plutôt. Afrique. Comment je les ai appelés les autres? Je sais même plus. Afrique Centre. Donc là on va l'appeler Afrique. Afrique éléphant. Allez hop. Afrique éléphant. Très bien. Donc là on est bon. Ok, ça l'a pas renommé. Très bien. Ah non, savane. Savane, singe d'Afrique. On va mettre éléphant. Éléphant. Éléphant, on va l'appeler. La zone des éléphants. Personnel sans affectation. Et ben toi, tu vas être dans la. Éléphant. Voilà. Donc, personnel. Donc, il va me falloir dans cette zone au moins deux agents d'entretien, je pense. Deux agents d'entretien. Pour le moment, on va mettre deux soigneurs, comme ça on en aura d'avance. Voilà, un mécanicien, je l'ai. Les agents de sécurité, on va mettre un. Des vendeurs, on verra plus tard. Un vétérinaire. Voilà, et un formateur. Voilà, très bien. Donc là, on va aller tout de suite aller voir ceux qui n'ont pas de zone de travail. Donc éléphant. 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 Il y en a qui ont beaucoup de travail là. C'est quoi? C'est les soigneurs. Singe d'Afrique. Singe d'Afrique et savane entrée. On va peut-être reprendre des soigneurs. Ok. Les vendeurs aussi, on pourrait reprendre des vendeurs. Ouais, je vois que ça va d'entrée, ça va d'entrée. Ouais, ça va d'entrée, on va reprendre des centres entrée. Ouais, on va reprendre des. Oula, on va reprendre des. Ils ont beaucoup de. Ils sont très chargés. On va en faire en formation aussi des vendeurs. Ce serait bien de les avoir tous niveau 2. Hop.
trop de formation parce que après, bon, les vétérinaires, charge élevée, excuse-moi, ils font rien du tout les vétos. Éléphants, bon après ils peuvent travailler un peu, hein, c'est bon, hein, faut pas déconner hein, non plus. Faut pas déconner non plus. Ok, donc là on est bon en termes de d'employés. On a la salle de pause. Alors par contre, ouais, il me faut une salle de mécanicien. C'est bien joli ce bâtiment, c'est grand, mais ça manque un peu de trucs là. Je vais. Est-ce que je le dupliquerai pas pour le rajouter là et le modifier? Si je le duplique, ça va se voir quand même. Ouais. Faut qu'on prépare cette zone des soigneurs quand même avant de mettre les animaux et tout. Ok. Comment on va faire? On pourrait genre dupliquer juste ce bout de bâtiment là, ici là. Par là là. Ça va être chaud par contre. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Contrôle D. On va le mettre là. Et on va supprimer plein de trucs. On va supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Genre ça, on n'en a pas besoin. Oh non, j'ai supprimé un truc de trop là. Ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Ça, on a dit qu'on ne gardait pas. Oui, il y a toute une zone qui est vide dans l'autre. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose. On va voir. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on enlève, ça, on enlève. Ça, on enlève, ça, on enlève. En fait, tout ce qui est là, on enlève. Voilà. Ça, on enlève. Hop. Ça, on enlève. Là, on va dupliquer ça. Voilà. Non. Ça, on va le dupliquer aussi. Voilà. Ctrl X. Voilà. Ok. Ok. Donc ça, on va dupliquer. Bam, ici. Ok. Comment c'est mis là-bas? Ah, il y a un truc comme ça. Là-dessus. Donc ça. Alors attendez. Ça. On délète. Ça, on délète. On va dupliquer ça. C'est pas mal. On voit encore trop que c'est. Peut-être encore trop que c'est une duplication de l'autre. Ok. Surtout ces décos là qui sont ultra identiques. Ouais, c'est pas grave. Ouais, non, on va y changer. On va y changer. On va y changer. On va enlever ça. On va enlever ça. On va enlever ces tambours là. On va mettre à la place des pots. Des espèces de pots, je sais qu'il y en a plein. Ouais, des trucs comme ça là. Ça va bien ça. Ça fait bien comme déco. Ça fait un peu trop mieux là. Ouais. Hop. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Ok, voilà. Alors, faut qu'on mette un petit toit là. Faut qu'on trouve un petit toit en chaume. Un truc comme ça peut-être. Non, c'est trop petit. Alors, les toits. Les toits, les toits, les toits. Ils sont où les toits en chaume? Ça c'est beaucoup trop petit, ça c'est encore plus petit. Ou un toit comme ça là? Non.
Non, le toit arrondi ça aurait été bien, mais ça va faire dégueu quoi. Un toit comme ça. Un peu trop petit, pardi. Un peu trop gros, pardi. Ça irait bien, mais y a pas encore plus plat, non. Ça irait bien, mais faut qu'on trouve un truc pour masquer là. Je sais ce qu'on va trouver. Oh, c'est pas mal ces sols là. Il me semble qu'il y en a. On va voir ça. Non, c'est encore une fois, c'est pentu. Des bien plats en chaume. Voilà, comme ça. C'est la même couleur, ça, à peu près. Ah, j'aurais pu prendre ça, tiens. Ouais, ça, c'était bien, ça. Ça, je supprime. Ça, j'y mets là. Ouais, comme ça. Ah ouais, parfait, là. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc, maintenant, ça, on va le déplacer. On va le déplacer, genre... Hop. Par là, je dirais. Ah non, ça va cacher la fenêtre. Par contre, faut qu'on modifie ça. Moi, je voulais. L'idée, ça aurait été de faire en sorte qu'on puisse mettre un truc là-bas derrière. Il faudrait le mettre comme ça à peu près. Quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Paf. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Là, on va enlever ça parce qu'on n'a pas besoin de veto. Oups. C'est ça que je voulais enlever. Ok, donc service. Service. De quoi on a besoin? Zone de quarantaine. Peut-être. Peut-être. Ah mais c'est trop grand. Petite. Grande. Voilà, c'est. C'est un méga bâtiment. Mais en même temps, on va peut-être en avoir besoin aussi de la zone de quarantaine. Hein. On verra. Centre de recherche, peut-être, pourquoi pas. Alors un atelier déjà, ça c'est sûr. Non, c'est... Ok, donc l'atelier, on va le mettre où? Là-bas. J'ai besoin de quoi en vrai? Atelier. Ah, il y a un grand centre de recherche. Ouais, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un grand centre de recherche. Moi, j'ai besoin d'un atelier, ça c'est sûr. Que pour le moment, on va mettre là-bas au fond. Là, ça me plaît pas du tout ce que je suis en train de faire en fait. Si je mets mon truc là, faut que je déplace la porte là-bas. Ok, je réfléchis, punaise. La zone de quarantaine, ça aurait été bien en fait. Parce que là, tous mes animaux qui sont en quarantaine, ils sont envoyés là-bas. Dans celle-ci, là, il y en a une par là, je crois. Je sais plus où elle est dans un de ces bâtiments. Oh,
En fait, il faut des grands trucs là, vraiment. Ouais, on va mettre la zone de quarantaine et l'atelier, on va le mettre là-bas. Alors, zone de quarantaine, petite. On n'a pas besoin d'une grande. Hein. C'est que j'étais pas. Voilà. Hop. Par contre, la zone de quarantaine n'a pas du tout de fenêtre, quoi. C'est. Hop. 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 Tac. Voilà. Et là, on va mettre une petite déco, une enseigne comme d'habitude, zone de quarantaine. Paf. Voilà, très sympa comme ça. Ah oui, tiens, c'est le distributeur de billets qu'il va falloir que je mette. Ok, donc ensuite on va mettre un bout d'allée qui va faire comme ça. Là. J. Oh, parfait. Nickel. J'aurais pas pu rêver mieux. Et là, idéalement, si je pouvais en créer un comme ça. Là, là, c'est pas possible ça. Suis trop près. Évidemment. En plus, je me suis mis beaucoup trop par là. Mais... J'aurais voulu faire un truc par là, moi, pour faire mon atelier. Sinon, l'atelier, je le mets ici. Hein. J'enlève toutes ces décos. Je le mets là, hein. Moi je crois qu'on va faire ça. On va faire ça. Là, je vais enlever ça. Ça, ça. Ça. On va faire. Clac. Ça risque de pas faire très très joli, mais bon. Hop. Hop, ça on dégage. Voilà. Donc là on fait CTRL D X. Non, hop. Voilà. Ça, CTRL D. Hop. Ici. Ok, ça on délète. Ça on délète. Là on va se trouver un petit toit carré sympathique en chaume. Chaume, voilà, petit truc comme ça là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça me paraît bien moi ça. Comme ça. C'est nickel ça. Ok, et là maintenant on va dans le service et on met notre atelier. Hop. Voilà. Très bien. Ah, ça a pas mis le truc de quarantaine, on l'a enlevé sans faire exprès. Les enseignes. Ah. Mon filtre, voilà, et là notre atelier. Ok, parfait. On peut même dupliquer ça pour rester dans le thème, pour garder un peu le truc. CTRL D, hop. Hop. Voilà. Voili voilou.
Là, on va mettre un petit pot comme ça. Là. Non, c'est pas beau ça. Faut que j'enlève ça, voilà. Oh, ça fait n'importe quoi des fois ce truc. Hop là. Voilà. Hop, un truc rapidement. Rapidement fait, sympathique. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos deux trucs de soigneur. On pourra mettre des plantes et tout après. On verra. Ah oui, si là, je peux mettre. Plutôt que de mettre ça, je peux mettre un truc avec une fenêtre. Hop, les murs. Les murs avec en terre. Non, c'est pas de terre. C'est pas de la terre cuite, c'est quoi? Comment ils appellent ça? Pisé. C'est du pisé. Je devrais le savoir, ma maison est en pisé. En plus. Ah, ça se colle pas à l'autre là? Ah oui, parce qu'il y a. Eh, je sais pourquoi ça se colle pas à l'autre. Parce que là, voilà, il y a un mur là. Voilà. C'est mieux. C'est parfait. C'est parfait. Ok, bah sur ce, on a fait encore une bonne petite vidéo d'une heure. Donc, on a préparé cette zone-là. Ce qui va nous rester à faire maintenant, ça va être d'amener nos éléphants ici. Et alimenter ce truc-là, enfin le faire rejoindre le. Voilà. Faire rejoindre le chemin à ce truc d'électricité pour qu'il produise. Le décorer. Décorer un peu tout ça, je m'en occuperai là bientôt. Mettre des pierres de partout, parce que j'ai envie de mettre des pierres de partout pour délimiter. Faire ça naturel. Ici, c'est largement faisable de mettre de la pierre partout, avec le thème qu'on a. Peut-être qu'on le fera ici aussi, là. Sur les girafes, pour que ça fasse un peu mieux. Parce que j'aime pas trop, moi, ces trucs en briques, là. Ça fait pas joli. Là, je suis très content de cet enclos-là. Là, il est très sympa. Il me restera ici là, mais on fera en même temps que les éléphants. Et voilà, donc faut que j'arrête de discuter. Et puis je vais vous laisser là. Et on se dit à la prochaine pour la suite de notre zoo. Allez, salut à tous, ciao!